Peppa Pink et Esteban ont oublié mon anniversaire. Je suis vraiment super énervée. On n'a pas oublié mon anniversaire, ils m'ont oublié, voilà. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi t'es partie de la maison à cause de ça? Bah parce que j'avais envie quand même, ça se fait pas d'oublier un anniversaire. Bon, à tout de suite. Salut. Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. C'est bon, je suis cachée. Là, ils me retrouveront pas. Ils ont quand même oublié mon anniversaire. J'ai 11 ans, quoi. Ça s'oublie pas, un anniversaire. Oh là là. Je vais rester ici et on va voir s'ils m'oublient pendant longtemps. Ouais, d'accord, ok. Ouais, je vais prévenir Lily Rose, t'inquiète pas. De toute façon, elle doit être dans sa chambre. Et je lui ai dit. Bon, allez, à tout à l'heure. Lily Rose, je dois te dire quelque chose d'important, là. Tu dois faire un truc par rapport à l'école, apparemment il y a 50 exercices à faire pour demain et t'as toujours pas commencé. Lily Rose, j'espère que tu te caches pas pour ça, hein. Où est-ce qu'elle a pu bien passer? Lily Rose, c'est trop bizarre qu'elle disparaisse comme ça encore une fois. J'ai l'impression que je l'ai pas vue de la journée d'ailleurs. Dernière chance Lily Rose, si t'es pas là, c'est que tu t'es enfui encore une fois. Et ça, qu'est-ce que ça fait comme ça? C'est encore une fois ouvert, le hamster il va s'enfuir. Ah bon, je peux plus rien faire là de toute façon. A few moments later. Ça fait super longtemps que je suis là ici. Ils m'ont vraiment oublié. Ils ont pas que oublié mon anniversaire, ils m'ont oublié moi. Je sais pas s'ils me cherchent ou qu'ils vont quelque chose, mais je suis pas hyper bien cachée. Bon, j'espère quand même qu'ils se mettent à ma recherche parce qu'il va bientôt faire nuit. Bon, le Esteban, là tu l'as trouvé? Parce que je la cherche partout, elle est nulle part. Bon, va falloir qu'elle s'active parce qu'elle a rien fait du confinement, hein, Lily Rose. Ah, ouais, je sais qu'elle a rien fait, mais bon, c'est pas grave, au pire, elle travaillera toute cette nuit et de toute façon, c'est pas mes histoires, là, c'est votre histoire de devoir. Laisse-moi tranquille, Attends, non, me dis pas que c'est pas vrai, me dis pas que c'est ça. On est le 27 avril. Et tu sais très bien ce qui se passe le 27 avril. Oui. Oh là là, on a totalement oublié son anniversaire. Elle doit être folle de rage. À mon avis, elle est partie de la maison. Elle a dû aller chez une de ses copines ou chez la demi-sœur, chez Clara. Elle a dû faire quelque chose. On a fait une très très grave erreur. J'ai pas prévu les cadeaux. J'ai pas prévu de fête. Elle a dû s'en rendre compte. C'est son... son anniversaire. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je sais même pas où elle est partie. Faut vite la chercher, Esteban. Allez, dépêche-toi, réfléchis. C'est bon, je suis parti. Hein. Pas la peine de chercher mon aide. Je vais la chercher. J'ai une petite idée sur où est-ce qu'elle a bien pu partir. Et si c'est là-bas, ça va pas durer longtemps, là, hein, sa petite fugue, là. Hein. Et toi, dors. De toute façon, tu sais pas chercher les gens. Oh, puisque c'est comme ça, moi je vais dormir. Hein. Laisse-moi tranquille. Ici c'est trop bien. Je suis fatiguée, il n'y a pas de bruit, je suis vraiment tranquille. J'entends juste les avions voler, les bruits des oiseaux. Une petite sieste hein, quand même. Lily Rose, t'es venue ici? Oh, je suis sûr qu'elle est venue dans le jardin là. Dans ce foutu jardin. Juste à côté de la forêt mystérieuse. Là, on a déjà eu plein de problèmes à cet endroit. Elle vient souvent se cacher ici quand il y a des petites histoires. Oh, il faut marcher 30 minutes. J'ai trop couru. Je suis fatigué. Lily Rose, j'espère que t'es bien ici comme d'habitude. Tout ça parce qu'on a oublié son anniversaire. Ah, j'ai plein d'allergies en plus ici, c'est ultra désagréable. Lily Rose, j'espère que tu m'as pas amené ici pour rien. Lily Rose, je suis sûr, il y a 100% de chances que tu sois venu ici pour te cacher comme à chaque fois qu'il y a une embrouille. Et je suis sûr que tu m'as amené ici parce que tu sais que je suis malade à cause de tous ces plans. Hé, hey, Lily Rose, t'es où? J'arrive même plus à grimper aux arbres.
Je vais m'envoler à force de faire ça. Bon, c'est bon, j'abandonne là. Elle est pas là. Le soleil commence à se coucher. À mon avis, elle a dû rester dans la maison. À mon avis, c'est ça. On s'est fait avoir. Elle s'est endormie dans un coin. Et voilà, comme un petit caca là. Je me suis fait avoir par une petite là de 10 ans, de 11 ans. J'ai pas oublié son anniversaire. Je l'ai oublié, mais non, il faut pas qu'elle sache que je l'ai vraiment oublié. Il faut que je lui fasse croire que c'est un prank et qu'on va faire une super fête bientôt. Et que son cadeau, il a du retard parce que le livreur est pas passé. Ah bon, allez, je rentre. On verra. Iros, dernière chance. Si t'es là, dénonce-toi. Iros. Iros. Ah tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Ça pue le caca. Ah oui, c'est vrai, je suis ici. Bon, c'est bon, là, j'abandonne. Je vais rentrer chez moi et je vais leur donner une bonne leçon. Je vais rentrer à la maison, mais je vais les piéger. Je vais déposer un petit truc sur mon bureau et ils vont bien voir ce qui va se passer. Oh là 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 là, j'ai rien trouvé du tout. Où est-ce qu'elle a bien pu passer? C'est pas compliqué quoi, elle sait pas conduire, elle a pas de permis et on la perd comme ça. Oh, qu'est-ce que tu veux encore? Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'es encore en train de dormir là. T'aurais pu la chercher. Bah, c'est vrai que je t'ai demandé de dormir tout à l'heure, mais bon, t'aurais pu faire quelque chose. Ça tombe, elle est au parc juste à côté. Je sais pas. C'est pas grave. Moi, je vais aller dormir un petit peu aussi, parce qu'on est tous très fatigués. Elle reviendra par elle-même quand elle aura faim ou quand elle aura peur, comme d'habitude. Glireuse ? T'es où ? Mais c'est quoi ? C'est quoi que ce verre ? Hein ? Glireuse, t'es où ? C'est quoi ça? C'était pas là pourtant tout à l'heure. Ça sent bizarre. Bon, je vais essayer de goûter quand même. Je me demande si c'est Lily Rose qui a préparé ça ou Esteban. À mon avis, ils doivent me pranker. Ah, je me disais bien que je t'ai entendu te réveiller. Ah, qu'est-ce que tu bois? C'est dégueu. On dirait de la farine dans de l'eau. Ah, c'est elle qui a dû déposer ça ici. Mais t'es bête. Et toi, tu marches dans son prank. Tout ça parce qu'on a oublié son anniversaire, elle a dû rentrer à la maison. Ah, l'écœurant, lui.